Ok, donc eh ben bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG de Normandie et comme vous l'avez pu le voir, nous sommes de retour sur Baldur's Gate. Et je m'arrête juste pour deux choses. Premièrement, Khalid vient de passer niveau 3. Donc on va avoir déjà de 25 à combien il va passer. Il est passé à 35 de vie et il a une classe de compétences en plus. Une classe de compétences en plus qu'on va mettre en arc. Voilà. Donc sa classe d'armure est à 1. Donc petit tour rapide des personnages. Donc il nous manque 200 points sur notre héros. 1200 points sur Imolène. Chez Jaira, il manque 250 points. Khalid vient de passer, il lui faut 4000 points. Et Xan, il lui faut 500 points encore. Je gagne 15 points par. Comment ça s'appelle ces trucs-là? C'est Xvart. Donc 15 points par Xvart, c'est peu. Au bout d'un moment, je me suis mis à sauvegarder, à recharger à chaque fois que Xan mourait, ou parce que sinon c'était vraiment trop intenable de faire des allers-retours à chaque fois jusqu'au temple. Voilà. Bon, vous pouvez voir la quantité de butin qu'il y a au sol. Mais ce farming là, franchement, je vais arrêter, c'est pas possible. On va voir si je peux pas farmer. C'est le soldat là du point enflammé en haut. Mais bon, voilà. Et la deuxième chose que je voulais faire, je voulais pas le faire pendant l'accéléré, je voulais le faire avec vous. Alors oui, vous avez vu que j'ai pu aussi tuer un loup des glaces. Je sais que cette peau là peut se vendre assez cher. Même si elle est. Oh non, elle fait que 10 kilos. Je pensais qu'elle était plus lourde que ça. Quoi qu'il en soit, on va vider ça. On va mettre une identification. On va juste dormir un petit coup. On s'est pas fait attaquer. Tant mieux. Et on va juste identifier ces bracelets. Il me semble que ce sont des bracelets de force, hein. Non, ce sont des bracelets de défense. Ok. Classe d'armure 8. Non utilisable par personne. Ils vont aller de toute façon à nos héros. Ah oui, attendez, je veux juste voir. Ok, ça fait pas chuter sa classe d'armure. Par contre, est-ce que. Ah, ça, par contre, pour Xan, ça lui fait descendre sa classe d'armure de 2. Donc, c'est pas. Je pense qu'on va le laisser à Xan parce que c'est lui qui est le plus fragile. Bon, temporairement, on va le laisser à Xan parce que de toute façon, notre héros, visiblement, ça fait rien. À Imolène non plus. Donc il y a Kaxan sur lequel ça fait un réel effet, étant donné qu'il a une classe d'armure assez élevée, enfin assez basse en réalité, parce qu'en fait c'est plus ce nombre-là est bas, plus on est protégé. Oui, ça c'est un gros défaut dans la logique du jeu, c'est que ici plus vous serez en négatif, parce que vous pouvez également tomber dans les négatifs, j'ai pour le moment personne dans les négatifs, mais quand vous avez une classe d'armure négative, c'est qu'elle est plus élevée que 0 en fait, enfin elle est plus élevée, elle est. Oui, elle est plus élevée, c'est tout. Moins on en a, plus on en a en fait. C'est ça qui est con. Bon, une nouvelle petite sauvegarde rapide. Je vous dis, on va essayer d'aller farmer ailleurs. Je vais en faire 2-3 avec vous avant de refaire un accéléré, certainement. Mais voilà, ça va consister à augmenter le niveau le plus possible. N'empêche, si on regarde le log, il s'est passé des choses, hein?
Et encore, il n'a pas tout gardé en mémoire. Apparemment, il y a une limite dans le log. On peut pas avoir toute notre séance de jeu. C'est bon à savoir. C'est là, hein. Non, ça c'est le camp de bandits. C'est pas là qu'on doit aller. Tâche facile. Ça va, Valped. Et c'était par là, il me semble. C'est fait. Alors, par contre, faut vraiment qu'on m'explique ce niveau des durées de. Ouais, quoique là encore, ça reste cohérent. Cogna, ah oui. Ah, attendez. Merci d'avoir pris des risques pour moi. Je sais que vous prenez ma peau foncée. Je sais ce que vous pensez. Ma peau foncée ne vous inspire pas confiance. Je suis un elfe noir. Mais j'ai été banni. J'ai besoin de votre aide. Ah, d'accord. Donc, oh oui, en fait, c'était elfe, l'elfe noir en question. Je juge personne sur sa race. Venez avec nous. Il n'y a rien à voir. Ah, c'est juste que nous n'avons pas envie de vous prendre. On va la prendre. On va la prendre et on va voir ce qu'elle vaut. Bon, elle est assez spéciale, hein. J'avais pas vu ce personnage. Elle a déjà une classe d'armure à 3. De toute façon, on n'a pas d'armure sur nous à lui filer mieux que ça. Et alors, attendez, elle est elfe claire, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs. Si elle a des pouvoirs, qu'est-ce qu'elle a? Elle a du soin. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Ah merde, si on la prend, notre réputation a diminué. Bon, bah on va réaugmenter notre réputation, c'est pas trop un souci. Tâche facile. On va juste dormir un petit peu ici. Allez, hop. Au niveau de notre réputation. Réputation moyenne à 11. Bon, bah de la réputation, de toute façon, on va s'en faire, hein. C'est pas trop un problème. Je vais juste aller l'équiper quand même un petit peu. Je pense que j'ai fait une connerie en la prenant, mais. Bon, si elle pose Tâche problème, facile. on la virera, mais. Je suis sûr qu'on a fait une connerie, mais bon, ça fait rien. Parce que si notre réputation a diminué, c'est que. Et oui, de toute façon, comment le. Vous avez vu le. Comment le. Le soldat du pont enflammé. En tout cas, on devra s'en débarrasser, arriver à Baldur's Gate. Parce que comment quand un personnage est mal vu comme ça, Baldur's, c'était la même chose pour les deux nécromanciens qu'on avait eu au début. On peut pas les prendre à Baldur. On peut pas les amener jusqu'au bout parce qu'ils sont recherchés apparemment à Baldur. Bon, on va bien voir de toute façon. Je tomberai de Oh non. fatigue avant d'avoir le temps de m'effondrer sur le champ de bataille. D'accord.
Bon, on ira dans une auberge parce que. Parce qu'ils viennent de voyager pendant un jour à 8 heures, donc évidemment. C'est fait. Je me sens un peu fatiguée. Ok, alors qu'est-ce qu'elle peut porter? Elle est claire. Elle peut porter une armure plate. Non? Ah, ils ont plus d'armure plate, visiblement. Y a plus d'armure plate ici? Non, sérieux. Ah ouais. Bon bah ok, on va non, on va... Ah si, armure plate, si. Voilà, il en restait une. On va l'acheter. En équipement, on va quand même y mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lui... Alors pour le moment, elle a une masse. On peut lui acheter la masse plus 1, mais on va voir si elle peut pas avoir autre chose. Les épées, elle peut pas les porter. Ok, ça c'est bon à savoir. Donc pas d'épée. Ok. Donc c'est que des armes contendantes. Oh YOLO. Ok. Ouais, mais on va se débarrasser de la masque qu'elle a sur elle, donc. Bon. Bon, elle pourra pas porter grand chose hein, par contre. Son bouclier, on peut éventuellement le virer. Ouais, mais. Ah la vache, d'accord. Cette classe d'armure, elle vient de passer à moins 2. Avec la masse, en plus. D'accord, ok. Bon. Bah là, bah, on a un personnage, on est pratiquement sûr qu'elle mourra pas. On va laisser en dernière de toute façon. Mais classe d'armure de moins 2, c'est assez énorme. Et je crois que le maximum que j'avais atteint dans une vieille partie quand j'avais joué, je crois que c'était arrivé sur notre héros à moins 8. Mais voilà quoi, c'était des trucs de malade quoi. Et encore, on n'avait pas des. J'avais pas les bracelets qui. Avec les classes d'armure, j'avais un bracelet. En plus, je suis sûr que c'était un bracelet complètement bidon. Que j'avais un les bracelets de force ou quelque chose comme ça. Je sais plus où est-ce que je les avais chopés. Enfin voilà. Bon, excusez-moi, je m'étire un petit peu. Attendez, je regarde un petit peu le timer. Minutes, sachant qu'on a fait alors moi j'ai tourné pendant déjà une heure hein, pendant l'accéléré encore à peu près mais bon j'ai un peu le temps de tourner, c'est la fin de semaine pour moi donc moi je tourne cette vidéo, j'ai pas de boulot ce soir contrairement à hier. Et on va se prendre une petite pinte pour tout le monde, ça va les détendre. On peut aussi se mettre la tête en dedans hein, si on veut, mais on va éviter. On va juste aller refaire un don pour augmenter un petit peu notre réputation. On va voir jusqu'où on peut monter. On va peut-être aller jusqu'à donner 1 million. Un million à l'église. Et l'avantage, c'est que maintenant, on a de nouveau un groupe complet. Après, j'en reviens toujours pas que la nana qu'on a récupérée. Classe d'armure 1. Enfin, moins 2. Normal quoi.
En fait, on devrait peut-être plutôt s'équiper en armes à une main. Épée longue. Ouais, mais c'est une épée à une main, ça. C'est pas une épée à deux mains, ça. Tiens, passe-moi ça une seconde. Non, c'est une épée à deux mains équipée. Ok. Non, franchement, elle va être épique au combat, celle-là. Facile. Temple de la sagesse. Attendez, juste un truc, je vais voir son profil à elle. Ah oui, puis je l'ai pas paramétré. Franchement, en plus, ça a l'air épique. Mais dommage, j'en ai pas. Ah oui, information. Biographie. Interrogée sur son passé, c'est avec fierté que Vérin révèle être une elfe noire de la cité des machins. Elle ne dit pas grand-chose des raisons qui l'ont amenée à quitter le monde aveugle des tréfonds obscurs. Mais les séparations de ce genre sont rarement heureuses. Elle affirme ne plus adorer la déesse araignée Lotf, abandon dont vous savez qu'il a souvent conséquences fatales. Elle suit désormais Char, choix adéquat pour une elfe noire, même si cela ne signifie pas qu'elle a renoncé à la violence dont son peuple coutumier. Elle juge les lois de la souffrance étrange et inadaptée, sans doute cela vient-il de son expérience. De même, elle se fait une image très naïve de la façon dont les habitants de la surface considèrent son peuple. Beaucoup ne lui laisseront pas la chance qu'elle paraît attendre et apparaître en sa compagnie pourrait même influer sur la manière dont on vous considère. Vous savez qu'elle possède, en tant qu'elfe noire, une résistance à la magie qui peut s'avérer aussi bénéfique que désastreuse. Ok, personnalisé, on va la mettre en clair agressif. On va lui donner 1000 par 1000, allez, les pièces. Ouais, j'ai oublié de. J'ai appuyé deux fois sur entrée au mieux de. Ok, un point. Sept, huit, neuf et 10. Là, on a augmenté. Ah non, on augmente plus. Ah si, on a encore augmenté. Ok, donc là, normalement, on a. Donc, normalement, notre réputation, elle est à 20 et quelques. Réputation héroïque à 18. Bah c'est bon. Par contre, c'est un truc que j'aimerais voir. Parce que j'ai pas vu le. Normalement, on a le. Ah, notre mauvais. Voilà, ok. C'est ça que je voulais avoir. C'était sa. Son attitude. Ok, allez, notre mauvais. Nous, on est loyal bon. Étant donné qu'on est de toute façon un paladin. Imolène est notre bon. Notre strict. Donc. Ouais, notre bon loyal neutre pour Xan.
Et donc notre mauvais pour Viconia. Voilà, hein, franchement, notre réputation. Voilà, on a perdu 10 000 pièces d'or, mais on a une bonne réputation. Même si je pense que Viconia pourra pas aller avec nous jusqu'à Baldur. Mais il me semble que de toute façon, dans la ville de Baldur, des personnages peuvent nous rejoindre. Donc ce n'est pas vraiment un souci. Le seul truc à faire, ce sera qu'avant d'aller à Baldur, il faudra déséquiper tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Il faudra déséquiper absolument tout le monde. Pour être sûr de savoir ceux qui restent avec nous et ceux qui ne seront plus avec nous. Et éviter de perdre du stuff à plus 1 qui est assez essentiel en fait. Bon, on va aller voir le camp de bandit. Tâche facile. On a le temps d'aller voir. Normalement c'est bon avec tous les XP et puis tous les trucs. On devrait pouvoir réussir à, sans problème, à s'en sortir avec le camp de bandit. J'ai pas vu l'XP de Viconia par contre. Elle est niveau 2. Ok, d'accord. Donc, niveau 2, niveau 3, niveau 2, niveau 3 et niveau 2. Donc on a, si je dis pas de bêtises, on a deux niveaux 2, on a deux niveaux 3 et le reste est de niveau 2. On va voir ce que cela donne. Pas trop le choix, c'est par là et c'est là. Et j'ai oublié, je veux tout le monde à distance. Ah d'accord, elle a plus de billes. Il aurait fallu que j'aille lui en racheter. Lui, il est forcément encore à corps de toute façon. Elle aussi. Et le temps que je revienne, de toute façon, c'était déjà fini. Tirez-vous. Je veux que mon héros récupère ça. Et les trucs pour Xan, là. Ah oui, alors par là, par contre, il y en a un violent. Alors, on va juste sauvegarder parce qu'on vient de récupérer un... On va sauvegarder extrêmement régulièrement. Voilà. Voilà pourquoi j'en ai marre de ressusciter mes personnages, donc. Tâche facile. Passons aux choses sérieuses maintenant. J'ai utilisé la pause extrêmement souvent. Résultat, elle a pas pu se soigner. Bon. Jaira, qu'est-ce que tu fous? Bon. Changement de tactique. Tâche facile. On va y retourner. Et on va s'acheter des billes. Pour Jaira. C'est fait. Ah.
Oh, qu'est-ce qu'ils foutent? Évidemment, il fait nuit. On va se faire engueuler. 2 heures. Ouais, oh, laisse-moi un peu plus de temps, s'il te plaît. Trois heures. Voilà. Voilà, maintenant il y a du monde. Alors, Jaira. Masse de billes plus 1. C'est moi où les prix ont chuté? Ok, plus de billes. Pour le reste. Bon, on verra bien. Mais déjà, pour le moment, ça fait 20 billes. Je veux tout le monde à l'arc. Xan, il va lui falloir quelque chose. Xan et la nouvelle, on va leur mettre quand même dans leur équipement quelque chose dont ils peuvent se servir à distance, parce que sinon ça va pas être gérable, quoi. Ok, donc à part une fronde, ils peuvent rien avoir. Bon bah ils auront une fronde, c'est tout. Et elle, est-ce qu'elle peut au moins porter un arc? Non, visiblement pas d'arc. Donc même topo, ce sera... Ah, ouais, ou une arbalète, non. Non, arbalète non plus. Tant pis, fronde aussi. Non, je sais qu'il y a les fléchettes et les haches de lancer, mais... Mais c'est pas top, quoi. Donc Xan aura plus sa résistance au feu, mais de toute façon, ça devrait pas être trop un problème. Voilà, tout le monde. Tâche facile. Et comme je le veux, à peu près. Dommage qu'il n'y ait pas plus de front plus 1 ou des trucs comme ça. Je sais qu'on peut démultiplier les objets. C'est du shit. Et c'est en rentrant dans le code, en fait, enfin dans les fichiers de sauvegarde du jeu, en fait. Non, ça c'est Valped, c'est pas là où je vais aller. C'est là que je vais aller. Et juste se reposer, parce que je suis sûr que dans 5 bornes ils vont me dire on est fatigué. Et on va se retaper tout le bordel. Ok. Passons aux choses sérieuses maintenant. On a une attaque.
Ok, pas mal. Après chaque combat, on va sauvegarder. Combien ça nous rapporte ça d'XP? 35. Normalement, quand on gagne 35 d'XP, c'est 35 par personnage présent dans le groupe. D'ailleurs, j'ai pas vu. D'accord, il lui faut 1400 d'XP encore pour arriver au niveau suivant. What the... Ok, des soins pour Imolène. Encore? Oh la vache. Bien aligné. Bon. Bon, on back un petit peu, histoire d'avoir des soins toujours en réserve. Ok, on a réussi à dormir. Donc on a nos soins. Par contre, il fait nuit. Bon, de toute façon, on va se faire tout ça. Hein. On va continuer jusqu'à ce que. On va prendre par en haut. Normalement, en haut, il n'y a pas grand-chose. Bon, si tout se passe comme ça, on devrait pas trop avoir de problème. Que là tout se passe bien. Ah, notre héros est passé au niveau supérieur. Ah, ça je veux. Ça je veux, je veux, je veux, je veux. Supérieur. Ok, il a un point de compétence. Arc ou épée? Arc ou épée? Oh, l'arc. Ah non, on peut pas plus de 2 points. Bon. On va l'envoyer à l'âge de bataille, au pire. Et 36 points de vie. Je vous laisse également sa voix à la musique, même si elle va s'arrêter, résultat. D'accord, ils sont en mode pause, tout va bien. Ok, là on a une grotte. Je pense que plus bas on a le mec un peu cheaté là. Qui va nous emmerder. Bon, même top. Ah, et c'est quoi ça? Repousser mort vivant. Ah oui. Venez tous un petit peu, ça m'arrangerait. Oui,
Il est là. Bon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Non, ça va pas, ça. On va avoir deux morts, c'est pas ce qui me convient. On va aller dans cette grotte là. On va voir ce qui nous y attend. Bon, et alors? Ok, là, on a un problème. Ok, je me fais trop baisser. On n'a pas eu le temps de régénérer entre deux. Jaira, tu me fais un coup de main? Ok, on va se tenter une sauvegarde. On va se tenter déjà une sauvegarde. De toute façon, on peut toujours se rebarrer sinon. Et un repos pour récupérer nos sortilèges. On passe, on y passe, on y passe. J'ai juste besoin de régène. Il manque encore un point de vie? Non. Bah si. Ok, là on sauvegarde parce qu'on est full vie, on est au complet et on vient de se taper une belle attaque. Donc, et on va continuer plus loin. Rien ici. Non, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Bon. Un peu d'XP. C'est tout. Attendez, bah, re-sauvegarde à la sortie alors. Juste, je veux savoir qui sera le prochain à passer. Alors, déjà, notre héros, c'est même pas la peine. Imolène, elle a 800 points avant de passer. Ok, ce sera Jaira certainement la prochaine parce qu'il lui faut 67 points pour passer. Kaïd, il est passé il y a peu de temps. Xan, il lui faut 140 points. Et puis Victoria, il lui faut 1000 points. 1100 points. Donc, passons aux choses sérieuses maintenant.
Ok, vais l'emmerder. Non, tant pis s'il me tue, les gars. Ok, donc lui, il va nous poser problème. On va essayer les huttes. Alors, je sais que dans les huttes, il y a des véritables embuscades. Je sais que ça va être des. Qu'il y a pas mal de mobs ici. Je sais notamment qu'il y a des mobs. On va se les tenter quand même. On est nombreux. Là, on s'en est pas si mal tiré que ça. Là, il va me falloir Imolène. M'en douter. Imolène, viens là. Raté. Alors, attends, juste m'éloigner un petit peu. Vas-y, travaille. Fais ton travail. Raté. 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 Allez, s'il te plaît. Réussi! Ah, quand même! Oh, bah, disons. Ah! Ouais, mais il est. Non, c'est. Pas important, en fait. Allez, par terre! Ça prend 3 pièces d'or, pourquoi pas? On n'a pas vraiment de soucis d'argent. Grâce à l'easter egg laissé par les développeurs pour que ce soit un poil facile quand même, un poil réalisable comme jeu. Une nouvelle save. On stoppe cette dernière cahute et puis on se. Ok, bon là même topo. Réussi, du premier coup, allez donc. Qu'est-ce qu'on a? Une épée longue, une épée courte. Super intéressant. 83 pièces d'or. Une huile de rapidité, pourquoi pas. Que se passe-t-il? Une tâche facile. Bon, on a encore un peu de temps. On va s'en faire une dernière. Celle-là, on peut y rentrer ou pas? Visiblement, non. Celle-là, on peut par là. Mais par là, est-ce que je risque de me faire attaquer? Peut-être. Je sais pas. Bizarre que celle-là, je puisse pas rentrer. Mais bon, on s'en fout. Ok. Un bandit qui se tire.
Oui, évidemment. Allez, Imolène, va faire ton travail. Attends, hop, toi tu te barres. Imolène, fais ton boulot. Ok, alors toi tu vas juste récupérer la tunica là parce que je suis sûr qu'elle est. Voilà. Non, il n'y a pas de thune ici en plus pour une fois. 32, une dague, c'est pas important. Ici, c'est pas prenable. On sait pas pourquoi. D'un seul coup, ce n'est pas prenable, mais on s'en fout. Ce jeu n'a plus aucune logique, on est d'accord. Allez. D'accord, ok. Il va nous falloir une molène. Encore une fois. Voilà pourquoi on ne peut pas se passer d'un voleur. Ok, juste un peu de thune, encore une fois. On a toujours 26 milliards de toute façon, donc. Allez, pas trop par là, s'il vous plaît. Non, mais si ça doit être verrouillé, je crois. Ah, deux potions de soins, ça nous faire du bien. Elle a plus que 16. Ok. Ah, d'accord, on peut rentrer ici. Ah, ouais, bah non, c'est de là d'où. Revenez, c'est de là d'où on vient, bande d'idiots. Ok, donc on est d'accord, le dernier qui reste, il est là. Le problème, c'est qu'il nous défonce. Voilà, on a ces personnages-là qui nous défoncent parce qu'on n'est pas assez haut niveau. On va refaire une dernière tentative. Sinon, je compte aller essayer d'aller farmer un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait ses sortilèges pour qu'on puisse attaquer convenablement. Écoutez, et ben de toute façon, on se retentera ce personnage-là au prochain épisode, puisque oui, on a à mon avis dépassé l'heure encore une fois avec l'accéléré. Donc, et ben écoutez, ben, sur ce, je vous dis à l'épisode suivant, et puis ben je vous dis à bientôt.